Un an, il y a un an aujourd'hui, commençait en Palestine l'intifada, la guerre des pierres. Cet affrontement dans les territoires occupés par Israël se traduit par un bilan lourd sur une année, sur 12 mois, puisqu'il y aurait entre 350 et 500 victimes. Et aujourd'hui encore, un Palestinien a été tué par les tirs de soldats israéliens. Alors plusieurs manifestations ont eu lieu aujourd'hui, tandis que les territoires occupés sont totalement paralysés par une grève générale. Alors au-delà des chiffres, quel est le bilan de cette année de soulèvement, Clément Vérinal? Il y a un an débutait le soulèvement en Cisjordanie et à Gaza, la guerre des pierres que personne n'avait vraiment prévue, ni les Israéliens qui au début parlent d'une simple flambée de violence, ni même l'OLP qui ne prendra que par la suite le commandement de la révolte. 31 juillet 88, coup de théâtre, le roi Hussein renonce à toute souveraineté sur la Cisjordanie. C'est peut-être là l'un des tournants de l'intifada. Pour Israël, la perspective d'une solution négociée avec la Jordanie s'éloigne. Les données du problème deviennent alors à la fois plus simples et plus complexes. Pour certains, le camp arabe en particulier, toute solution au problème palestinien doit désormais passer par l'OLP et Yasser Arafat. Mais Israël refuse toute négociation avec la centrale palestinienne. L'OLP n'a pas renoncé à son projet de destruction de l'État juif, affirment les Israéliens. Un an de soulèvement, mais ni les élections en Israël, ni la récente offensive diplomatique de l'OLP n'ont, semble-t-il pour le moment, permis de déboucher sur une relance du processus de paix. Une chose est sûre, l'intifada a bel et bien marqué la fin de l'occupation sans violence et du statu quo dans les territoires occupés.